Salutations les lémures, on se retrouve pour le sixième épisode sur My Survival. Donc pour commencer, on va essayer d'aller farmer le scrap metal et du bois. On va essayer d'en profiter aussi pour trouver la farge le temps que l'on s'installe la nôtre. Parce que pour monter la farge, pas mal de clous et de planches. Je peux essayer de la mettre, mais de toute façon, il faut que j'aie fermé les pierres, donc j'en ai pas du tout. Donc on va y aller. Par contre, ce qui serait bien, c'est qu'on se pose l'appareil à tannage et celui pour faire les petites saucisses avant de partir. Allez, faire sécher le boyau. Alors avant, j'avais mis ça là où il y a les voitures qui sont garées. Donc maintenant, je sais pas où le mettre. Je sais pas si je vais le foutre là. Entre les maisons ou alors peut-être ici de ce côté. Je pense que celui-là je vais le mettre là. Non, je sais pas si je peux le monter. Ouais, il me faut des sticks et de la ficelle. Je sais pas si j'ai mis de la ficelle ici. Non, là c'est la nourriture donc il y aura rien. Là j'ai rien mis ici. Je sais pas si j'ai déposé ma corde par contre. Je sais pas où je l'ai rangée. Ah, il y a toujours Bobby. La corde elle doit être rangée là-bas. D'ailleurs vous voyez j'ai déjà préparé la voiture avec les caisses pour partir. Donc là il va me falloir des sticks. Hein. Je suis pas sûr que je puisse prendre ça pour faire des sticks. Ouais, pour faire les sticks, il me faut les petites branches. Là je vais pouvoir en faire. Ah, par contre faut que j'arrive à savoir où j'ai posé ma corde. Je sais pas si elle est dans cette armoire peut-être. Ah, là j'ai un autre stick, genre, je vais le prendre. Là la corde, c'est parfait. Donc là maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai cassé mon marteau? Non, j'ai plus de marteau. Ah, j'aurais dû me faire le repair bench avant là. Si j'avais su qu'il était. Ah, mais non, le marteau il est là. Peut-être qu'il me faut le marteau. Alors c'est que mon couteau est trop abîmé peut-être. Je vais prendre un autre couteau alors. Ça va être dans les malles là. Je vais déposer celui-là ici. Hein. S'il est trop abîmé. Je vais prendre celui-là. Pourquoi ça veut pas réparer? Ah ouais, il manque des sticks. Ça n'a rien à voir avec mon. Déjà, je peux peut-être mettre ça là, hop. Je vais. De toute façon, celui-là aussi, je vais le prendre. Je crois que j'en avais un qui était entamé d'ailleurs. Mais je sais pas où je l'ai. Où je l'ai rangé. Qui traîne là-bas. Donc, on va aller choper des sticks. Alors, je sais, là, c'est pas très. La hache, par contre, j'en ai pas besoin. Et voilà. Il est entamé. Donc on va aller choper des sticks. Déjà je peux faire cela. Voilà, peut-être que là cette fois sera la bonne. Ouais, bah oui. Ça c'est utilise mon couteau. C'est bien si ça prend celui qui est déjà pas mal entamé. Au pire, je vais éviter de ramasser les pierres qu'il y a dans le coin, ça m'en fera en moins à ramener. Alors, je vais prendre la petite baie. Par contre, je vais des sticks là. Donc là, hop. Non, c'est pas ça qu'on veut. Voilà, merci. Force remplir les bouteilles d'eau aussi avant de partir.
J'espère que j'aurai pas trop faim non plus parce que j'ai plus de viande. Donc ça risque d'être un peu compliqué, à moins qu'on retombe sur un ours et qu'on lui fasse la misère. C'est pour ça que j'aimerais bien vite fait tendre du boyau sur le séchoir pour pouvoir faire des arcs. Sinon je prendrais mes lances aussi, mais bon, je vais pas aller bien loin avec ça. Je sais pas combien il en faut pour taper un ours. Je pense qu'aussi dans le trailer on voit qu'on peut les jeter. Donc normalement on pourra lui lancer dessus. J'espère qu'on visera correctement la tête. Ok, là je peux en faire 3. J'aurais peut-être pas dû faire ça en plein milieu, mais bon. Ça c'est fait. Donc on va aller voir. Je pense que pour le tanneur, va en falloir aussi malheureusement. Ok, donc ça c'est fait. Le seul problème c'est que je crois pas avoir de boyau. Je sais pas si j'ai posé ça avec ma peau. Non. Ça serait pas là non plus. Ah, j'ai dû les laisser à la. À la station service. Ou alors je les ai pris et puis ils ont fini par périmer. Alors j'ai déjà commencé à me remplir mes bouteilles d'eau vu que je suis là. Comme ça, ce sera fait. On aura de quoi boire. C'est des bouteilles de 2 litres. Donc, on va en profiter. Je pense que je vais partir avec 3 bouteilles. Ah bah, je vais partir avec 2 bouteilles et demie. Les autres, je vais les déposer. Je vais peut-être pas les mettre dans le feu quand même. Je sais pas si. Je vais poser là. Sera bien mieux. Alors pour le moment, vous voyez, je peux toujours pas rajouter d'eau. Faut que j'attende que le cycle se termine. Ça aussi, j'aimerais bien que ça se termine. Alors je vais manger toutes mes baies. Là, comme ça ira plus vite. Alors, je pense que là, on est pas mal. Alors, je vais me poser mes bouteilles ici. Là, il me reste des cordes et des sticks. Je sais pas s'il me reste de la place, non. Alors je vais foutre ça dans l'armoire là. Faudra que je finisse de ranger plus tard. Quant au tanneur. Qui doit être là d'ailleurs. Donc là, il va falloir des planches. Je sais pas comment je vais le disposer à moins que je mette ça dans l'angle. J'en mets 2 là comme ça, mais alors je défous ici le long comme ça, je ferme un petit peu sur côté. Je vais en mettre en deuxième. Comme ça, je pourrais mettre mes 2 pots séchés en même temps. Donc là, faut que j'aille choper des clous. Et des planches. Je sais pas où j'ai stocké mes clous, par contre. Ils doivent être là. Mes clous. Donc là, vous voyez, on pourra. J'ai déjà 2 circuits, 4 rouages. Donc on pourra continuer un petit peu. Moi je les ai posés dans une valise que j'ai toujours pas ramenée à la maison. Faudra checker hein, parce que là j'ai pas. Ils sont pas là non plus. Peut-être qu'ils sont stockés ici. Parce que j'ai du bazar là aussi.
Ah, j'ai pas mal de nourriture, ouais, j'avais pas vidé. Donc effectivement, ils sont bien là. Ah, faut que j'aie chopé ma corde. On va déjà mettre ça. Ah, là on a soif, donc au pire des cas, je vais boire ma bouteille. Ma corde, je l'ai reposée ici. Va falloir qu'on en farme des feuilles et de l'amadou là. Donc ça c'est fait. J'espère que je vais avoir assez. Ouais, manque de peau, il manque de quoi faire. Il me faut ça et de l'amadou, je crois. Je vais me faire des. Je vais me faire quelques cornes. Hein. Non, c'est pas ici. Mais plutôt là. Voilà. Voilà, je peux en faire que deux. J'espère que ce sera assez. Au cas où c'est pas assez. Là, je vais en reprendre. D'ailleurs, si je peux. Je vais déjà prendre mes deux pots sur moi. Comme ça. Là. Je peux déjà en mettre une. Et là, je peux interagir aussi. Voilà, pile poil, il me reste une corde. Voilà, je vais m'en refaire. Je vais faire tout ce que je peux. On va pouvoir en faire que deux. Ok, ça c'est fait. En plus, il me reste que trois clous. Donc, déjà, ce que j'ai récupéré, ça m'a. Bah, pour le coup, ça m'a bien dépanne. C'est vrai qu'il faudrait que je vide ici, hein, parce que c'est vraiment le bazar. Ça, je vais le prendre. Les trois, je vais les laisser poser là. Là, j'ai pas grand-chose. Je vais déposer ça aussi. Lockpick, je prends pas. J'ai pris des pieds de biche. Donc voilà, je vais déposer mon caillou et ma corde. Et on est parti, enfin. Donc malheureusement, ça, on n'a rien à mettre dessus pour le moment. Ni boyau, ni saucisse. Donc comme ça, après, on... Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il m'a mis, là? Ah, il m'a peut-être mis des planches. Voilà, ça, on pourra pas le faire. Ça, on pourra le terminer. On a un circuit et deux rouages. Ah non, faut deux circuits. Je crois que j'en ai qu'un. Il me semble que j'en ai qu'un. Non, j'en ai deux. Donc je pourrais me faire la table. Mais bon, il faudra finir de trier. Donc nous, on est parti. Je vais faire ma sauvegarde. J'ai lancé ma sauvegarde. Maintenant, on va hop, conduire. On va mettre les gaz. Et puis on va aller se trouver un petit spot sympa pour farmer. D'ailleurs, je pourrais peut-être partir par là. Donc j'ai quand même hâte de clôturer ma base pour être tranquille. C'est vrai que j'aurais pu retourner vers la ferme aussi. On va essayer de voir l'ancien lieu de la ferme. Alors là, il y a une route. Normalement, la ferme a été de l'autre côté, donc on va voir si on peut... y avoir accès par là, quitte à aller voir la tête de la scierie. Alors, je vais faire gaffe de pas avoir un accident quand même. J'y vais doucement, je sais pas quelle heure il est en plus. J'ai marqué une halte ici. Ah, parce que là, il n'y a plus de route. Donc, il serait fort dommage que je me plante en voiture. Après, il y a cette route-là.
Qui bifurque. Je sais pas si ça va m'emmener à la ferme. Sinon, bah tant pis, hein. Alors, on verra si on peut espérer la rattraper par là. Il faudrait que je mette le contact. Même pas si elle y est encore. Là-bas, il y avait une. Je pense que c'est pas ma maison. C'est ma maison. Ah, où est-ce que je l'ai vu le bâtiment? La voiture, elle est là. Ouais, c'est bien ma maison qu'on voit de loin là. Non, c'est notre. C'est pas la mienne. Se trouve, ouais, c'est là, je suis au-dessus de la route principale. La ferme, elle serait plus sur la gauche, quoi. Elle serait plus par là-bas. J'espère qu'on pourra la retrouver. Ok, j'ai faim. Alors, faut que je descende de là parce que je peux pas manger. Ah ouais, j'ai que ça là, mais bon, tant pis, on va essayer d'avancer comme ça. On va essayer de trouver à manger en chemin. J'aurais dû choper mes lances. Ouais, il y a une route, mais c'est un peu serré là. Va falloir faire gaffe. Je vais prendre plus par là. Ça m'a l'air moins risqué. On va y aller doucement. Ok, alors là on arrive au barrage. On n'était pas allé tout. Si, je crois que j'avais fouillé après les maisons. Car déjà, il y a du scrap métal. On va fouiller les lieux, hein. Si je pouvais tomber sur un truc à manger, ce serait bien. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû sortir mon jerrycan. Prendre mon jerrycan sur moi. S'il te plaît, la valise. Hop là, ça, je vais le sortir. Je vais me ranger des hachettes pour le moment là. Ah, je suis parti avec mon marteau, super. Ah, je vais mettre ça là. Hop. C'est un peu le bazar. Je crois qu'il y a le mist qui se pointe. Donc c'est génial. C'est génial. Je vais me percher en haut d'un camion là. Ok, alors ça me fera toujours un pneu. Voilà, je vais être obligé d'attendre. Voilà, on va aller voir ce qu'il y a par là-bas. Là, c'est fermé. On va essayer de faire un petit dodo en plein milieu en attendant. Ok, ça veut pas. Alors, au niveau de la soif, c'est ouais, ça me saoule un peu de consommer ça là maintenant, mais si j'ai pas le choix, je vais le faire, hein. Puis j'ai plus grand-chose à manger. Mes conserves et compagnie, je préfère les garder en cas de grande nécessité. Donc, ouais, c'est un peu embêtant. Hein. J'en ai marre de me juste taper le mist quand il faut pas. Tant que je perds pas de vie, je mange pas, mais c'est mieux que ça traîne pas trop. J'ai
je vais essayer de redormir une petite heure. Ok, nickel. Ah, je vais vite faire regarder ici. Ok, alors il y a une maison. Je sais pas s'il y a des trucs à prendre. Soit je me présente avec ma hache, mais s'il y a des bandits. Même pas si là je l'avais fait. On va savoir ça tout de suite. Hein. Voilà, ça me rappelle rien du tout. Là en haut il n'y a rien. En face non plus. Ah, la forge. Est-ce que c'est une forge là? Qui donne rien. Ah, faut que je vois. Là, la cabane, j'ai cru que ça allait être une forge, mais en fait, non. Là, il n'y a rien. Ok, alors là, est-ce qu'il y a du zombie? J'entends personne, mais... On va éviter de trop traîner. Enfin, surtout que j'ai mis ma voiture un peu à l'autre bout, là. Voilà, crowbar. Yes. Tu veux bien me prendre la conserve, merci. Ok, des munitions. Ah, je vais manger une boîte de sauce tomate. Hein. Voilà, c'est pas ça, mais bon. Car là il n'y a rien en bas. Y a rien non plus en haut. C'était pas foufou le loot là. Hein. Les deux j'ai fouillé. Y a rien à prendre. Là le meuble on peut pas. Ça je m'embarque. Car moi je viens du garage. On va monter à l'étage après. Je sais pas ce que des enfants font avec des balles dans leur chambre, mais bon, hein, on dira rien. On va peut-être fouiller la cuisine aussi. C'est dommage qu'on puisse pas fouiller les frigos. Ok, alors je suis déjà plein. Il va falloir que j'aille chercher ma voiture, ouais. Enfin, je vais essayer de rapprocher ma voiture. Parce que là, ça va être assez compliqué. Puis je vais me remplir une première valise. Avec un peu ce que j'ai récupéré sur moi. Ok, c'est une feuille. Ah bah les feuilles ça va attendre gentiment. Ok, hein, je vais remplir celle-là. Déjà j'ai pas besoin d'avoir mes 3 crowbars directement sur moi. Je vais stocker mon scrap métal et ça ici. Je l'embarquerai quand j'en aurai besoin. Celui-là je vais le garder parce qu'il est pas plein.
Mon jerrycan aussi, faut que je le garde sur moi. Je vais me stocker une bouteille d'eau ici. Alors, est-ce que là. Voilà, aussi j'ai mes haches. Je vais récupérer mon marteau. Je vais faire ça comme ça. Mon marteau, je vais le déposer ici. Je vais mettre mes munitions. Puis voilà, ça comme ça, si j'en récupère, ce sera bien. On va se mettre ça là comme ça. Hop. Ça me refait un peu de place. Ok, donc F. J'espère que je vais pouvoir repasser après. Ça se coupe pas mal. Hein. Alors j'ai peur que ma voiture se retourne là, mais. Je peux pas passer, c'est fermé. Alors je vais me garer ici. Vas-y, remets le contact là. Je sais pas où ils sont là. Attends, ils sont en train de me défoncer ma caisse. Ah ouais. Pas cool. Aïe. Ah ouais, c'est-à-dire que j'ai eu chaud en y allant tout à l'heure. Je vais me planquer là. Putain, elle a du mal avec les boss. Alors, est-ce qu'elle a pris tarif? Ah, mon moteur, il va bientôt lâcher. Où est-ce qu'ils sont? Pourtant, je suis bien allé dans cette maison. Je sais pas d'où il m'a shooté. Hein. Je vais aller me percher en haut pour voir. Ils sont peut-être dans le camp à côté là. Ah ok, alors déjà comme ça j'ai récupéré un Kevlar. Ça parce que là il n'y a personne. Je vais me baisser au cas où. Ah, je vois personne, hein. Je vois pas du tout où il était. Alors, je vais redescendre. C'est bien, c'est que je redescends accroupi. Pourtant, il n'y a personne sur la route. Ah, est-ce que ça venait de là? Là, je pige pas, hein. Je ne comprends pas. Je vais retourner m'enfoncer dans le camp pour voir. Mais ouais, je trouve ça très étrange que d'un coup je me fasse tirer dessus, parce que même en haut il y avait personne, on a déjà fait le camp là. À moins qu'ils aient pop d'un coup, mais
Ah mais ils sont où les bandits là? Je me fais aligner. Il n'y a plus personne là. Je vais essayer d'avancer de nouveau avec ma voiture. Hein. Ah là, d'un coup, il n'y a plus personne qui tire. Ah, par contre, c'est dommage, c'est que je peux me pencher d'un côté, pas de l'autre. On peut pas utiliser le générateur. Alors, je pense que je vais essayer de le défoncer, mais... Et je retournerai voir la maison après, là, parce qu'il faut trouver... Je sais pas, il n'y a personne. Là. Là non plus. Ouais, je pige pas. Hein. C'est bizarre. Je me fais shooter dessus et après, il n'y a plus personne. Là. Donc là c'est vide, alors je suppose que là ça va être... Non, là c'est ouvert. Là ça se fouille pas. Ok, là il y a un lockpit. Là ça va être fermé. Là, je peux pas les fouiller. Est-ce que je peux les casser? Même pas. Alors je crois que les meubles là, comme ça on peut les casser. Hein. Ah non, on peut plus. Ah si, si on peut. Mais je prends une farcir de bois là. Je préfère surtout du métal. Ah, j'ai le bouse à récupérer en bas. Car là, je peux pas fouiller. La petite baignoire, y'a rien. Je vais quand même reprendre ça au cas où. Ok, un nouveau marteau, c'est cool. Comme ça, s'il y en a un qui me lâche ou qui est en fin de vie, j'aurai toujours l'autre. Le temps que je me fasse le repair bench. C'est une petite partie de PlayStation. Ok, donc là, il n'y a plus rien. Alors, je vais aller récupérer le bouse en bas. Ah, je sais pas si ça, je l'ai fait. Non. Voilà, parfait. Ah, je vais plutôt prendre mon pompe. Parce que j'ai plus de munitions. Je sais même pas si... Ah ouais, ça je pouvais pas le prendre. J'avais pas fini de faire la cuisine. Ok, enfin du sel. Ah, je vais la manger maintenant. Ça, je vais le prendre. Car non, j'ai tout fouillé, sauf là peut-être. Voilà. Car la cuisine, c'est bon. Je peux pas choper les tissus, je vais dégager ça. Je préfère prendre les tissus. Le seul problème, c'est que j'ai les bouses aussi là. Équipement. Ah bah j'ai plus de gants, voilà. On va faire ça comme ça. Comme ça c'est bon. Ah, ça c'est les sticks, on s'en fout. Ah, je vais déposer du bazar. Là je peux rien mettre. Alors, je vais mettre dans ma petite caisse, tiens. Alors, je vais mettre ça. Hop, le sel.
Alcool, ma bouteille vide. Ça, j'en ai à l'appel. Je vais en déposer deux là. Ça, je vais manger. Là, il y a les munitions. J'avais pas les. Non, j'en ai pas d'autres. Ça, par contre, ça peut aller là. Ouais, je vais tout poser et je viendrai au pire stacker après. Je vais vérifier si j'ai pas de scotch à côté quand même. Non. Non, ok. La petite caisse. Donc le marteau. Hop. Et puis bah c'est ouais, les tissus. Voilà, comme ça j'ai le nouveau stack là, puis ça je vais le garder ici. Ah ok, donc là on est bon. Alors l'état de ma voiture. Ouais, le moteur va bientôt me lâcher. Malgré ce qui s'est passé, je vais quand même faire une sauvegarde. Ok, ça c'est good. Je vais zioter un peu aux alentours par là. Car là il y a un chemin mais il est bien bien raide, alors en voiture c'est pas la peine. On va descendre voir le lac. Ouais, il est immense et il n'y a rien du tout. Et là, je tiens pas à aller dans l'eau pour le moment. Ouais, j'espère qu'il a remis la ferme hein, parce que c'est compliqué sinon. Tiens, là je peux pas fouiller, c'est tout cassé. Ah bah là aussi il y a un pick-up, tiens. Ah, je peux pas le fouiller. Comme je peux pas le fouiller, c'est-à-dire qu'on peut pas le. Comment dire? Le réparer. Ok, hein, je vais commencer à taper par contre là. C'est vrai que ça se loupe pas par contre. Puis je fais un bruit là. Ok, ça c'est cool. Par contre, faut bien checker après, hein, comme vous avez pu le voir la dernière fois, ça a tendance à voler un peu partout. Là, on va siphonner. Ok, ça c'est cool. Alors, je vais vérifier qu'il y a. Ah non, je crois que j'ai déjà pris le coffre. Alors, est-ce qu'il y a des morceaux de métal qui ont volé ou pas? Ça paraît être le cas. Ah, ça a un peu de mal à viser. Est-ce que ça, je peux la casser? Non. Ok, on va aller taper l'autre. Ah, j'aimerais bien trouver une forge. Tiens, là, je tape dans le vide. Ah, on va essayer de l'autre côté, hein. Alors par contre, faut faire preuve de patience. Et comme dit-on, hein, tout vient à point, hein, qui sait attendre. Donc voilà, après on en récupère pas mal. Là, il n'y avait rien qui traînait dans le coin, non. Je vais quand même ressortir ça là. Puis on va s'avancer par ici. Puis on va finir de fouiller le secteur. Je crois que j'ai une petite caisse à prendre. Plus haut. Faudra aller voir. Je crois qu'en plus, ça, je peux aussi normalement détruire les. Les jouets pour enfants là. Allez, trouve un point d'impact là, merci.
Ok, t'énerve pas. Voilà. Ah, je vais en user des haches là. Ce qui est bien, c'est que j'en garde au moins une pour aller farmer du bois après. Oui. Y a rien qui a volé par là. Bon, ça a l'air d'aller. Car là, il y a le château d'eau. Je crois que c'est celui qu'on a déjà fait. Il y a des voitures qui sont empilées. Il faudra aller voir ça après. Avant d'aller taper les voitures, je vais remplir. Enfoiré. Non, mais il meurt pas ou quoi là? Puis il est où? Ah, j'ai oublié de rapprocher le niveau. Ouais, il dépop. Il dépop complètement. Alors vu qu'en plus là la nuit tombe, peut-être sortir de la maison. Ce qui va pas m'arranger des masses. En plus j'ai loupé des... J'ai loupé des balles, ce qui me saoule un petit peu. Donc là, il n'y a rien. Bon, je vais retourner voir vers la maison, mais... Tiens, là, je peux rien prendre. Je sais pas pourquoi j'ai les mains qui brillent, là. Ok, on va y retourner, j'espère qu'il y en a que deux. Je sais pas où ils sont passés. Hein. Ils sont atterris dans le sol. Ouais, je suis en train de gâcher mes munitions, c'est pour ça que je veux l'arc. Ils ont l'air d'être plus violents, quoi. Ils sortent direct. J'irai voir celle-là après, je vois si je peux pas passer par derrière. J'en vois rien à travers les vitres là. Ah, je sais pas si je suis monté là par contre. On va aller voir ça tout de suite, s'il n'y a pas un petit truc. Parce que je pense qu'ils m'ont... Ils m'ont peut-être tapé le Kevlar. Non, ça va. Ok, donc là il n'y a rien. Ah, c'est peut-être des trous qu'il y a dans mes gants. Tout simplement. Bah voilà. Ok, une patate. Ah ouais, bah les autres ils ont atterri dans le sol. Ah, il y en a un là. Ok. Heureusement que j'ai bien scruté. Alors peut-être que... Ah bah l'autre il a volé ici. Ok. Ok, pas mal. Alors est-ce que je peux rentrer maintenant? Ah, il y en a encore. Ah, je vais d'abord sauvegarder. Et ensuite seulement je vais rentrer. Ah, je bois un petit coup pour me porter chance.
Ah, tu meurs. Oula, j'ai plus de balles. Enfin, il m'en reste une. Putain, ils prennent pas leur tête direct, hein. Ok, ça c'est fait. Alors le petit truc c'est que j'avais essayé avant de lancer le record d'en tuer un qui avait bah, en fait le jour se levait, donc il y en avait encore à l'aube qui restait sur place. J'ai essayé d'en planter un avec ma lame dans le dos là en mode furtif, mais ça m'a fait bugger le jeu. Donc j'ai pas pu le tuer. Donc lui je les loot, y'a rien à prendre là. C'est bien que je trouve les autres. Ok, des patates. Bon, je vais surtout trouver du tissu là. Ok, la branche je m'en fous un peu. Je peux rien fouiller. Voilà, je vais me faire un petit panorama là, histoire de voir si j'ai pas loupé quelque chose. A priori, y a rien. Là, je peux pas fouiller la cuisine. Voilà, y a pas de porte. Là, le stick, je m'en fous. Je vais m'en prendre la planche. Là, je vais sortir. Toi, je t'ai fouillé. A priori, il n'y a pas d'étage. Ok. Ça, je prends. Car là, il n'y a pas de vêtements. Ah, il y a un sous-sol, par contre. On le voit dans le trailer. On le voit descendre dans un sous-sol. Ah ouais, puis il est pas petit, hein. Ah je vois. Oh, j'ai bugué là, je suis où? Je suis dans un tas d'ordures, mais elle est passée où la sortie là? Ok, alors moi je viens de par là. Ah ouais, il est immense le sol. Ah ok. On va déjà aller voir par là. Hein. Ah puis on voit rien. C'est chaud, chaud, chaud quoi. Ah, je vais me faire bouffer. Ah, je vais me faire bouffer tout simplement. Hein. Vous mettez ce que vous voulez derrière la phrase. Est-ce qu'on peut les prendre les casiers là? Ouais. Je vais essayer de les remonter. Hein. Je vais pas fouiller ça dans le noir. Ok, donc c'était par là. Ah, si je me fais attaquer, alors je vais par contre mettre le casier par là. Et remonter dans ce sens. Ah, je préfère. Je vais le poser là pour le moment. Ah, j'ai oublié de te fouiller, toi. Franchement qu'il n'y a pas un truc qui va me sauter dessus. Je vais finir de faire le tour de la salle, comme ça je verrai
si c'est bon ou pas. Là, ça a l'air. Bah, j'ai que les casiers à prendre alors. Puis comme ça, on pourra aller zioter de l'autre côté. Là, je vais faire pareil. Faut que j'arrive à me repérer. Ouais, c'est par là. Ok, ça c'est bon. Comme ça, je les sortirai après. Alors, je pense pas que je vais pouvoir m'en trimballer chez moi, mais. Allez, viens. Ça, c'est fait. Ah ouais, elle est ignoble, cette maison. Elle est où, la sortie la plus proche? Ok, je crois que c'est par là-bas. Ah, j'ai failli oublier ça, tiens. Ouais, elle est là. Ok, je vais mettre ça ici. Se trouve, en plus, je me saoule à faire ça, mais il n'y a rien. Mais bon, après, je me dis que je pourrais me les ramener chez moi. Ah, j'ai du mal à me promener là. J'espère qu'ils vont pas repop pendant que je suis sur place. Comme la nuit tombe, c'est pas parce que vous en avez tué dans une maison qu'ils reviendront pas après. Ah, puis il y a les trucs qui me bloquent au sol. Ah, ok, donc là, voyons voir notre butin, des munitions. Alors déjà, ça c'est cool, je vais pouvoir en remettre dans mon pistolet. Ok, c'est pas grave, j'ai tout fait tomber par terre, mais. Recharge-moi ça. Ensuite ça. Il n'y a pas besoin de recharger. Par contre, ouais, on peut faire ça comme ça. Hop. Donc ça c'est vide. Bon, celui d'à côté, s'il te plaît. Car là, il y a une paire de gants. Et là, il y a une paire de gants. Ah, je vais aller. Ah, ma voiture, elle est. Ok, bon, je vais aller à ma voiture. Je vais essayer de la. Ouais, bon, là pour circuler, ça va être. Ça va être le bordel. Il y a trop de trucs qui traînent par terre. Je vais au moins me l'avancer au bout de la rue, là. On sait toujours pas qui s'est amusé à me tirer dessus, quand même, mais. Ok, ouvre. Finir de remplir ça. Ah, est-ce que je peux stocker? Oui. Je vais manger une petite conserve là, histoire que ça me remette bien sur les deux. Ah, les patates hein, crues, on va éviter de les manger. Ça, hop. On va faire ça comme ça. Alors, je vais déposer un couteau. Ça aussi. Est-ce que j'ai déjà mis des médicaments là? Non. Alors, par contre, j'aurai les balles à stacker. Alors, j'ai pas forcément besoin de garder le Coca-Cola avec moi. Donc, alors, je vais faire ça comme ça. Voilà, ça c'est rempli aussi. Bon, au final, j'aurais pas récupéré beaucoup de. Beaucoup de bois. Je peux faire ça comme ça. Ce qui me fait gagner une petite place. Au pire, ouais. Je crois qu'il y avait une valise là-bas. Il va falloir que j'aille la chercher. Et ça me fera un rangement en plus.
Par contre, là, y retourner en pleine nuit, ça va être chaud chaud. Ah, parce que ma lumière, elle est allumée en plus là. J'espère que ça part pas entre temps. Puis on va se faire. Ça, je vais l'avancer. J'irai les déposer au bord de la route plus tard, avant de partir. Tu veux pas le choper ça? Ah ouais, là, je peux pas. Je vais prendre le risque de descendre, mais ça m'inspire pas trop confiance. Surtout que là, c'est la nuit, nuit quoi. Donc là on avait tout fait hein. Là il y a encore une pièce à côté. Okay, je vais me caler dans le mur. Ah ouais, c'est horrible. Alors, faudrait jeter des torches. Okay, je peux passer là. Puis y a rien hein. Y a rien à looter. Ah ouais, elle est devenue horrible sa map. Oh là, il y a une caisse. Ah, je vais faire ça. Je vais déposer des trucs dedans. Ça, je vais la sortir. Ouais, y a rien d'autre hein. Je peux rien looter. Par contre, faut que je trouve la sortie. Faire ça comme ça. On va la soulever bien haut. Normalement, là, ça passe. Là, il y a la valise. Moi, faut que j'aille. Faut pas que j'aille par là. Voilà, c'est par ici. Ah ouais, pour sortir, c'est quelque chose. Là, il y a du zombie, je suis dans le caca, hein. Je suis coincé de partout. Ça, je vais le mettre là, histoire que ce soit bien visible. Puis on va finir le reste de la pièce en bas. Je sais pas quelle heure il est. Ouais, il est 20h. J'espère qu'il n'y a pas un truc qui va me sauter à la gorge. Ah, la valise. Donc ça on avait vu. Car dans la valise il n'y a rien. Je vais me la mettre là. Ouais, puis là c'est là où j'ai récupéré la caisse militaire. Ah ok. Donc là je peux partir. C'est bizarre qu'il y a un lit là. On dirait qu'il y a de l'espace derrière. Bah oui. Mais là, je peux pas. Non, je peux pas fouiller le meuble. Car je vais foutre la valise dans ma voiture. Ah, c'est par là. En plus, je me paume. Ok, on est bon. Ouais, je me vois pas l'air ma voiture. Faudrait que je trouve un endroit
Faut que j'arrive à me percher sur les voitures qui sont à côté là. Par contre, je vais dormir dans l'autre sens, hein, merci. Ouais, 10 h. Pourquoi il veut pas que je tombe plus longtemps? Ah, il m'a fait dormir 2 h. Allez, fais-moi dormir 6 h, s'il te plaît. Deux petites heures encore, merci. Ok, alors peut-être que là on va voir ceux qui se promènent à l'aurore. Je vais descendre de là, en espérant ne pas me faire attaquer. Mais ouais, normalement il y en a qui se promènent. On va les voir en bordure de forêt. Je vais choper la valise. Je vais la ramener à ma voiture. Et de mon côté, après, je vais me ramener tous les casiers et autres. Comme ça, la prochaine fois que je passerai, ce sera plus facile pour moi de les récupérer. En espérant qu'il n'y ait pas du bandit qui pop entre-temps. Puis là, maintenant, il va falloir que je réussisse à la... à la ranger, recule-toi un peu s'il te plaît. Alors déjà, tu vas te poser là. Alors je sais pas si je vais réussir à la faire glisser en dessous. Par contre, elle tombe pas vite. Sinon, faut que je pousse d'abord la petite caisse qu'il y a au-dessus. Ok, parfait. Nickel, elle est rentrée, nickel. Voilà, donc là, elle est vide par contre. Ça, je pouvais en stocker. Faudrait que j'aille chercher les autres. Je crois pas avoir fouillé la bonne caisse. Là, je peux rien mettre. Voilà, je fais consommer ça. Écoutez, voilà, on va aller fouiller la petite maisonnette à côté, là. Je sais pas si je l'ai fait, on va aller voir ça. Et puis moi je vais au pire aller me couper quelques morceaux de bois avant de rentrer, de rapatrier tout ce que j'ai déjà récupéré. Et on finira de visiter les lieux plus tard. Donc on va faire ce petit secteur là, vu qu'on est à côté. Puis comme ça on peut vite prendre la tangente s'il y a un truc de foufou qui nous tombe dessus. Ah, puis voilà qu'on aura pas mal récupéré pas mal de métal et tout quoi, mais j'aurais pas eu la chance de trouver la fournaise. Alors, par contre tu veux pas t'ouvrir s'il te plaît là? Ok, ça je vais le récupérer. Voilà. Donc pour siffler c'est fil canne hein, et pour mettre de la voiture, enfin de l'essence dans la voiture c'est fil tank. Ok, ça c'est bon, ça va me nourrir. Il n'y a rien d'autre dans les étagères là. Non. Petite barre chocolatée en dessert. Ok, alors là il y a une petite boîte. Je vais l'embarquer aussi hein. Le stick là je m'en fiche un peu. Par contre là la barre. Tu veux pas me la donner la barre chocolatée là? Ah c'est abusé. Je peux pas la prendre. Tiens là c'est fermé. Là y a rien.
La texture, elle a eu du mal à s'afficher. Hein. Ça, je prends aussi. Ah, je sais pas ce qu'ils ont avec leur stick là, mais. Ah, ok, donc là on sort un pneu. On va vite faire garder. Bon, la prochaine fois, on continuera la route. Là, on descendra à la station service. Là, il n'y a plus rien. Et je suis bloqué. Ah, j'ai vidé le bâtiment. Je vais juste récupérer ça là, si on veut bien me laisser le prendre. Je vais pas monter plus haut là. Alors, je vais le lâcher. Voilà. Elle vole pas haut la cassante. Ah, ça me fera deux emplacements en plus. Ah, c'est un peu ridicule les boîtes là, mais c'est toujours ça de prix. J'ai posé ça ici. Voilà, parfait. Ça me fait deux places en plus. Ah, d'ailleurs. Hop, les deux places, elles vont servir à mettre la roue et la bougie. Bah écoutez, voilà, hein. Je pense que là on a fait le tour, on a fait les deux maisons. J'ai fouillé, moi je vais refaire un petit tour pour voir si j'ai pas oublié un truc dans les voitures. Je vais en taper une ou deux encore. Après, je vais aller me choper du bois avant de reprendre la route. J'ai cette caisse-là aussi à essayer de poser sur. Ah non, je crois qu'on n'a pas fait celle-là. On finit celle-là et après on s'arrête. Parce que ça va être un peu trop long. Oula. Heureusement qu'il n'a pas aimé le soleil. Hein. Donc on va aller regarder là d'abord. Ok, là il y a un barrage. Je sais pas ce qu'il fout ici. Je crois qu'il y a un zombie qui est allé. Enfin, un infecté qui allait venir par là. Là il n'y a rien. Je suppose qu'on peut pas rentrer dans le camion. Là c'est bloqué. Mais est-ce qu'on peut passer par-dessus en sautant? Voilà, merci. Je sais pas où ça mène. Ouais, il y a encore un tas de trucs à voir là. Là, il y a les pylônes électriques. Ah, il y a un sac. Je prends. Ah, yes, il m'en manque. Ouais, il me manque 5 emplacements. Il me faudra encore 2 sacs et on est bon là. Un de trois places et un de deux. Bon, on a bien fait de venir ici. Bah écoutez, voilà, sur ce, je vous laisse. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis, on se dit à la prochaine. Et oui, je sais, on n'a pas vu la maison. Donc, j'y retourne de ce pas et on finira la zone ici plus tard. Je vais redescendre par là. Comme ça, on y est. Se trouve, on peut peut-être même pas rentrer dedans là. Alors, il y a des petits bugs. Avec les trucs qui lévitent dans les airs là. Ah, mon arc. Il me manque tellement mon arc. Si tu pouvais cramer un peu plus, ça m'arrangerait bien. Ouais, ça pique le soleil. Hein. Ah, loupé.
Ok, ça c'est good. Il me reste que 2 balles, j'ai pas intérêt à me louper. Ok, super. Je suis sur sa tête. Hein. Voilà. On va passer aux pompes maintenant. Voilà, poudre à canon. Ça a l'air d'aller. Alors par contre, je peux pas me pencher de l'autre côté. Ah, va falloir que je rebine ma touche pour loot là. Ah, parce que ça va pas le faire. Ok, parfait, une petite paire de pompes. Ça c'est bon aussi. Là, il n'y a plus rien. Toi, je t'ai pas fouillé, si. Là, il n'y a plus rien à prendre, c'est bloqué. Là, il y a une valise. Ah, donc, on va embarquer la valise. Bah, écoutez, voilà. Cette fois, c'est la bonne. Je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, encore une fois. Le petit commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Donc V. Procède. On va finir ces 2 petites pièces. Je ne dis plus rien. Je vous laisse admirer. Et je vous dis à la prochaine.